écoutez les gars, là on a du calibre, on a du calibre. En tout cas, bienvenue à tous, enfin salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est très bien. On est sur la summon session de Lyonix, qui a un beau totem. Ah mais non, mais c'est même pas Ganymède, c'est Daphnis, MDR. Ah, ça c'est terrible. Donc alors il a déjà un Molong, il a également un Chitou, il a également un Ariel, on l'a vu. Il a également un Chandra, il a double baisse qu'il a monté, certainement pour le World Boss. Peut-être, je sais pas. Poséidon, Prince, Vérade, Poséidon, encore une fois. Ah il les monte quand même les babins, hein, ils sentent pas les couilles frère. Il a Vanessa, Zeros, Rika, Perna, Raki, Zeros. Putain mais gros, qu'est-ce que c'est? Ok, il a Chiwu également, il a double, il a Fuko, pardon, il a Charlotte, il a Pumbake, on l'a vu, hein, il en a quelques-uns. Voilà, il en a quelques-uns, il a doublé l'adresse. Gros, il s'en bat les couilles, gros. S'il a un doublon, ça lui fait plaisir, limite. Comme ça, il les monte aussi et il vous fait des doigts, les gars. Il vous fait des doigts. On dirait mes 3 CRA avec les 3 Vérades et les 4 Perna, MDR, je me sens au sol. Il monte ses mobs, hein. Il a également un tableau, hein. Très appréciable comme mob. Enfin, quand tu l'as dans ton équipe, hein, pas en face. Il a également une bêta. Il a monté Sabrina et Talia. Il a un Wadam. Il a une Jahn. Il a des poneys, d'autres Ritesh et d'autres Pumbake qui nous font un bien fou, bien évidemment. Est-ce qu'il avait des mobs au storage? Je pense que ouais. Il est où son petit storage? Et l'autre, ton ami? On va regarder ce qu'il y a là. Eh bien, rien. Le storage, il est où? Il est là. Alors, est-ce qu'il avait d'autres choses? Il avait également... Ouais, il a sorti juste ses 6 étoiles. Hein. Il a une petite... Ah, la petite... couille d'arc, là. Comment elle s'appelle? La petite succube d'arc. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est pas mal, elle. Elle est pas mal du tout. Faudrait une Hathor et t'es bien gros. Ou un truc qui endort en AoE, genre la Choubelle, pardon. Un truc comme ça. Ah bah, t'as Icarès aussi. Tiens, on l'avait pas vu, la petite grosse. La Yolande d'arc. Eh bien, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous a réservé à invoquer? Qu'est-ce que vous avez laissé invoquer? Ok, il n'y a pas de légendaire. Il y a 2 Light and Dark, 109 Vélins Mystiques et quelques pierres. Je ne connais pas là aussi, je vais aller regarder ça tout de suite. Je vous demande les énergies. J'arrive. Monsieur Florian, c'est bien sur Twitter qu'il faut envoyer les logs pour la summon de 400 juste à l'heure, juste après. Je pense que j'aurai le temps, je suis vraiment content. C'est parti les gars, merci beaucoup pour toutes vos énergies et la wishlist de... bien sûr, j'ai pas oublié son pseudo, hein, c'est Lyonix. En plus, je le connais bien puisque je crois qu'il est abonné à ma chaîne perso. Eh bien bref, sa wishlist, c'est un chevalier Dragal. Il aimerait beaucoup un Léo, un Cho, un Laika. J'ai entendu dans le micro aussi un Jägermeister et un Ragdoll, alias poupée de chiffon. Frère, lâche un Ritesh, je fais pas le run. Non, 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 non. Arrêtez vos conneries. Surveille à 23h50. Merci les bros. Allez, on continue. Bah, du coup, j'attendrai. Là, par contre, il faudra me l'envoyer en MP, peut-être sur Twitter ou sur Twitch. À la limite, je les lirai à ce moment-là. Mais de toute façon, dès que vous l'avez, je vous connais, les gars. Ça va spammer, ça va être génial. Et je vous expliquerai tout à ce moment-là pour ceux qui se posent des questions. Merci en tout cas pour cette succube. Hein. Selena, qu'on l'appelle. Ça aussi, ça faisait partie de sa wishlist. Il me l'avait dit. Non, le survey, des fois, il a 45, Nao. On continue. On continue, on continue. Encore une fois, des étincelles. Cette fois-ci, c'est Lupinus. Eh ben, toi. Alors, si toi, t'es pas régalé. Accuse juste derrière, en plus. Alors là, en termes de summon, Yonix, t'es archi bien. T'es très bien. C'est parce que tu lances trop de builds en même temps, je pense, Morphonine. C'est-à-dire que tu limites pas assez. C'est-à-dire qu'il faut, il faut quand même choisir des runages. Tu vois, par exemple, si tu laisses en full broken 100 mètres de précision, c'est-à-dire de poids dans tes runes, si tu préfères des HP, etc. Si tu, là, ça va crash. Ou alors tu as énormément de runes, mais essaye de minimiser le nombre d'essais pour les runes. Plus tu vas avoir d'essais dans l'optimizer, et plus tu as de chances que ça crash. Allez. Bon, en tout cas là, au niveau des 5 nattes, on n'est pas refait. Et au niveau des 4 nattes non plus, hein, pour l'instant, c'est pas du beau jeu.
Voilà, plus précis, plus concis dans tes builds. Allez, encore une étincelle. Tes verres de lunettes sont bleus. Non, ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Et encore une succube. Hein. Bah, mes couilles, hein, les succubes là, c'est bon. On en a assez donné de ces merdes. Si on peut avoir une autre. Une autre. Un autre truc, s'il vous plaît. Ça serait bien. Livraire jusqu'à la fin du stream d'Apo mon petit pote. Ça revient même. De quoi? Les lunettes? Ouais, les verres jaunes sont faits pour filtrer la lumière bleue, effectivement. Si vous voulez un petit peu plus d'infos, j'en parle dans une vidéo, puisque maintenant ce sont mes partenaires et j'ai un lien sous chaque vidéo YouTube ou sur mon stream perso, où vous avez 5% de réduc si vous passez par mon lien, puisque bah, ce sont mes partenaires. Et en tout cas, depuis que je les ai, moi, ça va beaucoup, beaucoup mieux au niveau de mes yeux et de mes migraines. Je n'en ai presque, voire quasi plus. J'en ai eu une depuis que je suis rentré du Brésil, de France, alors qu'avant c'était permanent, permanent. Donc voilà. Si jamais vous voulez dans ce chat, vous n'avez pas envie de vous casser les couilles, dites-le moi et je vous le mettrai à la fin de la Summon, un truc comme ça. Non, par contre, ce ne sera pas ici le lien parce que c'est pas toute la Summoners War, c'est juste moi qui suis partenaire. Comment on le sait, la couleur jaune absorbe la couleur bleue cours de physique? Exactement, les gars. Bien vu, ma gueule. Bon, on continue. Garrosh, parce que là, autant on parle, on rigole, mais lui, il est pas bien. Yonix, elle est pas trop trop bien. Je le sens fébrile. Ok. Frankenstein. Eau élémentaire. Magique archer. Il nous reste 20 vélins. Enfin, 20 places avant de retourner au storage. Et pour l'instant, c'est vraiment pas glorieux, pardon. Est-ce que notre petit Funleaf Gam nous a volé toute la chatte? Ah, nice. Ça fait plaisir. La petite chakram O, très très bien. Je l'ai aussi, je l'ai montée. Elle est 6 étoiles et tout. Elle fait très très mal. Hein. Une fois que les PV sont descendus, gros, elle fait met des claques incroyables. Mais il voulait des Léo, il voulait des Laika, il voulait des Cho. Il n'a que deux vélins Light and Dark pour tenter Jagger ou Ragdoll. Alors, ça va être chaud, quoi. Ah, super jeu de mots. C'est pas fait exprès pour le coup. Talc, Inugami. Elven Ranger. Il nous reste 4 places avant de retourner au storage. Est-ce qu'on pourrait avoir une étincelle, JC? S'il te plaît! Avec un truc, un beau truc. Un très beau truc. Allez, JC! Bon, c'est Moritz. Bon, un Drazik aurait sauté de joie, se serait envoyé en l'air, aurait retourné le bureau. Enfin, vous connaissez les bails. Moi, je suis en mode, bon, c'est un bon mob. Mais t'es chiant. Vous voulez un peu plus? On voulait un peu plus. Allez, on continue. On continue. Cho, il est déjà sur mon compte et celui de Funleaf Game. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai déjà eu un Cho. Tout à l'heure. C'était le rêve de Monsieur juste là. En attendant, entre les deux, on n'a pas trop régalé Falbala. Et là, bah, là, c'est un peu pareil. Hein. On a eu. Regardez le nombre de 4 étoiles, gros. C'est pas énorme. Hein. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans les 6, il y en a 2 de potables, quoi. Donc, c'est pas incroyable. Allez! Putain! Ah, pas ces merdes! Pas ces merdes! Berman. Bounty Hunter. Encore une étincelle, peut-être, j'y sais. Je veux dire, il reste 9 vélins. Tu peux le faire. Krusty Bat. Qui peut te battre? 6 vélins. Momie. Elven Ranger. Eau élémentaire, Inferno, et c'est tout. Malheureusement, c'est tout. On finit par les Light and Dark, puisqu'ils voulaient garder les pierres. Ah, nice, putain. Et c'est pas mal ce soir, les Light and Dark. Elle a un truc de ouf. Shazam. Yes, putain! Ça, c'est bon, ça! Ça faisait combien de temps que j'en avais pas eu, là? Ça faisait assez longtemps que j'en ai pas eu. Ça faisait quelques mois. Damn! Putain! Ça, c'est bon, ça! Shazam, ma gueule! Je voulais pas trop de Raoul parce que je me dis qu'il est pas foufou, mais Shazam il est bien, putain! Nice! 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 Le pouce magique est présent. Bon, j'ai pas réussi à faire le bruit. Mais du coup, c'était pas avec le pouce. Bon, bah ça va, tout est pardonné. Tu m'étonnes! Shaz fucking Zam! Et Ragdoll! Nice! Ragdoll! Ça fait plaisir. Bon, celui-là est un petit peu shiny, mais
Bon, ça fait plaisir, putain! Et dire qu'on t'avait pas trop régalé. Mec, là, je viens de te tomber The Beau Gosse, guy. LMAO, rip, rip, rip. Shazam, boum. Attends, mais ils sont sérieux à disrip? Non, non, mais. Alors, autant Raoul, il est pas fou, autant Shazam, il est très, très bien. Hein. No joke. Hein. La gueule du ragdoll. Noren, c'est quoi une. Donc, ouais. Donc, non, non, non. Par contre, les gars. Dan, ok, what, Makina, Shazam, GG, Shazam, Shazam, nickel, Shazam Summon by Junpei, et ouais les gars, maintenant vous le savez les gars, bah écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà, abonnez-vous, parce que regardez, tu vois cette petite bouclette là, celle-là elle te dit de t'abonner, regarde, regarde-la bien, regarde, elle te dit quoi, elle te dit abonne-toi.